à tous, ici Ange Rouge, bienvenue pour une nouvelle visite de création qui se trouve sur mon site internet. Alors aujourd'hui je vous présente un grand parc en 64 par 64. En fait c'est un parc mais il est classé dans la catégorie boîte de nuit parce que je voulais que mes bars là soient... Soit rempli, si je puis dire, avec des barman et des barmaids. Voilà, donc j'ai fait cette catégorie-là. Parce que si je mets parc, mais il n'y a personne qui vient là, on est obligé de les embaucher nous-mêmes. Alors ça me gonflait un petit peu, j'avais pas envie que ce soit comme ça. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est un endroit qui est très vivant, il y a pas mal de sims. Hein. Moi j'ai juste ma simette ici, là, qui est d'ailleurs en train de nager avec quelqu'un d'autre. Il y a Sonia Gothic qui est en train de jouer aux échecs. Alors on va faire un peu le tour. Déjà on rentre par ici. Alors je sais plus si j'ai dit, c'est un parc en 64 par 64 que j'ai mis à Willow Creek. Voilà quoi. J'alterne, un coup je mets ce parc là, un coup je mets le Cherry Blossom Park que j'ai fait aussi. Voilà. Donc c'est une boîte de nuit donc, que j'ai créée en septembre 2015. Et voilà, ici vous avez des toilettes. Voilà, les toilettes. Hop. Alors c'est vrai que l'eau, la piscine, elle prend vraiment beaucoup d'espace. Donc finalement, c'est pas si grand que ça, hein, à l'intérieur. Ici, vous avez un espace barbecue. Avec le barbecue, hein, il est bon. N'importe quoi. Voilà, ici vous avez le jeu d'échecs qui se trouve là, et il y en a un autre qui se trouve ici. Et ici vous avez aussi de quoi faire du jardinage, vous pouvez récolter des fruits et légumes ici. Ici vous avez un petit espace assez romantique, avec le bain à remous là, hop, voilà, j'ai fait comme ça. C'est un endroit qui est super sympa d'ailleurs pour prendre des photos. Voilà, je trouve que ça fait... c'est bien sympa quoi, comme coin. Ensuite, donc vous allez par là. Ici, vous avez le bar. Hein, voilà, j'ai fait comme si votre sim venait avec ses potes et allait en terrasse. Voilà, on continue. Et ça y est, ils sont en train déjà de s'entraîner. Alors, ce que j'ai fait là, j'ai créé une estrade. Et j'ai fait comme si c'était vraiment un festival en plein air. Votre sim peut apprendre de la musique, il peut voilà, parler au micro comme fait Dominique Fires. Et toi, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de lire là. Ok, mais écoute. Il y a un piano. Tu nous casses un peu les oreilles quand même. Voilà, ensuite on continue ici. J'ai mis encore un autre bar et j'ai mis de quoi servir la nourriture. Donc voilà. C'est pas un espace barbecue, le barbecue il est plus loin, donc ici vous vous servez directement de la nourriture et vous payez. Contrairement à ailleurs. Bon, c'est vrai que les rochers on peut. Les sims marchent dedans, mais bon, c'est pas très gênant. Ah bah ça y est, ma simette elle est enjôleuse. Ah bah dis donc. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est quand même assez vivant hein, comme coin. Voilà. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos juste en dessous. Je vous mettrai le lien de mon site où vous pouvez télécharger cette création sans passer par la galerie si vous voulez. Et puis sinon, mon ID origine c'est Ange Rouge 24 si vous voulez prendre ce parc dans la galerie. Donc je rappelle, hein, c'est pas vraiment un parc, hein, c'est dans la catégorie des boîtes de nuit. Voilà. Bon ben j'espère que la visite vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine visite, salut !